Merci d'être venu. On a beaucoup de monde ici. C'est une sorte de salon de Germaine de Staël. On se retrouve deux siècles avant. On se retrouve autour de 1810 à peu près, dans son salon à Paris ou à Coppet. Mais là, maintenant, on se trouve dans le salon de Montpellier. C'est un peu le tour de Babel. Il y a plein de langues. Je ne sais pas, vous parlez sans doute tous le français. Moi, ma langue maternelle, c'est le néerlandais, comme pour Marente de Moor. Marente de Moor est une écrivaine néerlandaise qui est venue à l'occasion de la traduction de ce roman « La Vierge néerlandaise » aux éditions Les Argonautes. L'éditrice est ici avec nous. Premier roman traduit en français pour elle. Et il y a deux autres écrivaines. Et vous verrez, il y a des interprètes aussi. Donc, c'est vraiment le tour de Babel. Il y a l'écrivaine suédoise Elin Kulled, est-ce que je prononce bien votre nom? Oui, ok. Qui est née en Suède, qui a été journaliste culturelle et qui enseigne l'écriture créative, qui a publié aux éditions L'Observatoire un roman qui s'appelle Euphorie. C'est son deuxième roman traduit en français par Anna Gibson. Et bon, elle parle dans ce roman d'une figure vraiment européenne, Sylvia Plath. Ça va toujours, vous m'entendez? Oui? Ok, super. Et last but not least, il y a Rumena Buzarovska, qui est née à Skopje. C'est une écrivaine et une traductrice macédonienne qui enseigne la littérature américaine à la faculté de philologie de Skopje, qui a publié 4 recueils de nouvelles. Le premier recueil de nouvelles s'appelle « Mon cher Marie », qui est traduit en français par Maria Bejanowska et publié aux éditions Gallimard. Voilà, voilà notre panel. On va les présenter un tout petit peu un par un, une par une, je devrais dire. Et ensuite, on va parler de cette question centrale. Est-ce qu'il y a une littérature européenne? La grande question. Est-ce qu'elles se sentent européennes? Est-ce que vous vous sentez européen? Vous avez le droit de participer. Hein? N'hésitez pas à poser des questions, à lever votre main, à donner votre opinion. Parce qu'effectivement, bien sûr, c'est une question dont on peut parler des semaines et des semaines. Il y a eu des livres publiés sur cette question. L'Europe, ce continent en guerre actuellement. Europe aussi qui a produit cette littérature très belle et très variée. N'est-ce pas qu'on, c'est ça qu'on dit toujours de la littérature européenne. Il y a quelques similitudes et il y a quelques différences. Alors, Elin, peut-être est-ce que je pourrais commencer par vous. Oui, on va voir comment ça marche avec les interprètes. Mais elle va peut-être parler en anglais. On verra comment ça se fera. Sylvia Plath, vous avez écrit sur Sylvia Plath, qui est une véritable figure européenne. On a déjà beaucoup écrit sur elle, en fait. Hein. Il y a des milliers de livres sur elle et sur son mari, Ted Hughes. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur elle? Quel était le point de départ de votre livre? Sylvia Plath. Oh, this is a grand question. Okay. And it has a lot of answers. It started with me wanting to talk about motherhood, really, to write about motherhood. Il y a beaucoup de raisons. Pardon. Oui. Enfin, j'ai une voix de baryton, alors normalement. Il y a beaucoup de raisons. Ça a commencé pour des raisons, pour une raison personnelle, la maternité. And I sort of rediscovered Sylvia Plath as a mother because I had read Sylvia Plath at a very young age, and I had sort of I have tied a tight relationship to her writings and her journals and her poetry. And sort of I came back to her being a mother. En tant que mère, je suis retourné
Et dans le monde de Sylvia Plath, pour des raisons de maternité. Dans mon enfance, j'ai lu beaucoup Sylvia Plath. Et là, je voulais revenir et redécouvrir Sylvia Plath en tant qu'adulte et en tant que mère. And of course, I guess it also has to do with my mother, because my mother is English speaking. And she was not born in Sweden, she was born in South Africa, and she is PhD in English literature. And sort of, I knew that she had been reading Sylvia Plath. And apparently she read Sylvia Plath when I was little. So she sort of had a very tight relationship to Sylvia Plath. And my mother always wanted to become a novelist, but she couldn't because she had so many kids. So I think this has to do, some parts of it has to do with me sort of wanting to understand my mother as well. And because Sylvia is also, it has to do with exile in some ways, you know, because Sylvia sort of escapes from America back to Europe. And she has this European dream. Yeah. Thank you. Bon, c'est aussi grâce à ma mère. Et il faut dire que ma mère n'est pas suédoise, elle vient d'Afrique du Sud, et ma mère lisait beaucoup Sylvia Plath. Et c'est un peu un retour, si vous voulez. Ma mère aurait voulu, comme jeune, écrire des nouvelles, être écrivaine, mais n'a pas pu le faire vu le nombre d'enfants que nous étions. C'est aussi un peu un retour, un peu la tâche avec ma mère qui est une exilée donc d'Afrique du Sud. Et c'est un peu cet exil, cet échappatoire qu'on retrouve aussi avec la vie de Sylvia Plath. Mais le plus important, je crois, donc il faut peut-être expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit dans le livre. Il s'agit de Sylvia Plath et de Ted Hughes qui quittent en fait la grande ville pour s'installer un peu plus à la campagne. Et c'est un livre sur les 15 derniers mois de sa vie, n'est-ce pas? Le couple et l'enfant de deux se sont installés à Devon dans un ancien presbytère. Et là, en fait, il devient clair que lui, Ted Hughes, pourra être le grand écrivain. Et Sylvia doit se résigner à être à la maison et s'occuper des enfants. C'est ça le grand dilemme. Okay, yeah, so the novel is really about sort of the fissures between sort of the creative work and your sort of responsibility as a young mother. C'est un peu le schisme entre la créativité et d'un côté le travail de créativité et l'autre d'être une jeune maman de l'autre côté. Une sorte de dualisme. But what I also wanted to sort of investigate was the dynamics between the couple, you know, Ted Hughes being a male poet and Sylvia Plath really sort of trying to create space for her work, really. So this is the basic conflict in the novel. And I sort of had a lot of life experience myself to put into this because I'm also married to a male author. And I sort of wanted to see what happened to Sylvia Plath when she was in this process of writing and being a mother. Ce que je voulais noter, c'était ce conflit entre Ted Hughes d'un côté comme écrivain et Sylvia Plath de son côté qui voulait aussi montrer ou mettre en avant cette créativité par son écriture et sa poésie, et mettre en avant le conflit permanent entre le mâle, Ted Hughes d'un côté, et la femme pour sa libération, l'émancipation. Et moi-même,
Je suis dans nous sommes un couple avec mon mari qui est écrivain et moi-même. Donc j'ai voulu faire un peu cette expérience et écrire, faire la recherche justement sur ce dualisme entre ce mâle et cette femme d'un côté, et le conflit permanent. Oui, c'est ce qui m'a frappé en lisant votre livre. Évidemment, on se rend compte tout de suite. Parce qu'on se dit, ben, tiens, on entre directement dans la tête de Sylvia Plath. Et parfois aussi, j'avais l'impression d'entrer dans votre tête à vous, parce que vous vous sentez tellement proche d'elle. Oh, thank you. Yeah, I think as a novelist, you need to get very close to your character, and you sort of really need to understand her and to sort of step into her or his shoes. So yes, through language, I was sort of able to get very close to this story that they were sort of trapped inside this last year. So it was kind of fascinating, really. C'était fascinant. C'est vrai qu'on est forcé, quand on écrit sur une personnalité, de se mettre très proche de la vie, du caractère de la personne. Ce langage devient le nôtre, et c'est ce qui est intéressant et qui rend la recherche profonde. On est forcé vraiment de s'investir et de comprendre. Et tout à coup, on comprend justement l'intérieur, les conflits permanents qu'il y a chez cette femme. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui écrivent et qui ont des enfants et qui ont eu ce dilemme-là, cette difficulté-là? Comment avoir un peu de temps pour soi? Non, personne? Tout le monde arrive à trouver ce temps pour soi-même tout en écrivant. Mais c'est formidable. Bravo, hein? Il y a des gens qui n'ont pas ce problème-là. À côté de vous, Marente de Moor, votre roman Marente se situe dans le sud des Pays-Bas, en tout cas pas dans les Pays-Bas, mais sur la frontière avec l'Allemagne, n'est-ce pas? Proche d'Aix-la-Chapelle, il s'agit d'un roman sur... c'est un roman d'initiation, on pourrait dire, d'une jeune femme qui a 18 ans, qui en 1936 va apprendre l'escrime. Son père l'envoie là. Et puis, il y a une histoire d'amour quelque part, mais une histoire d'amour assez complexe. Bizarre, c'est peut-être pas le bon mot, mais quand même complexe. Marente, vous avez choisi, non sans raison, j'imagine, ce contexte, ce paysage d'Aix, ce paysage de frontière. Est-ce que c'était le lieu par excellence pour votre roman? Et si oui, pourquoi? Souvent, ça passe. Ah, ça marche? Oui. Ça marche? Ah, parce que je n'entends pas moi-même. Ah, tout proche. C'est encore pire parce que je me débrouille en français un peu, mais je vais essayer. Non, c'est pas pour coïncidence. Si, c'est pour coïncidence. Parce que d'abord, il y avait l'escrime. Et moi, j'étais une enthousiaste de l'escrime, moi-même, le sport. Et j'ai compris déjà très vite qu'il n'y a plus dans ce sport que juste le sport, qu'il y a beaucoup de thèmes, une grande tradition aussi. Après, je suis déménagée vers les trois frontières. Et ce décor de trois frontières ont renforcé une position dans la livre qui est très fort. Parce que qu'est-ce que c'est intriguant dans le sport de l'escrime? C'est qu'il y a une ligne médiane et une forteresse de symétrie toujours. Et dès que ça bascule, dès qu'on va traverser la ligne médiane, la symétrie se casse, se brise et c'est quand les problèmes se commencent. C'est intéressant, comme j'entends toutes les langues ici. C'est un peu con. Il faut vraiment se concentrer. Mais alors, dès que je me trouvais dans cet endroit pour écrire la livre, c'était aussi... la frontière était tellement présente. Parce que j'habite encore là, on peut traverser 4 kilomètres déjà dans l'Allemagne,
4 kilomètres, on est dans un pays francophone. Et j'ai compris que traverser les lignes médianes, ça donne une friction qui était très intéressante pour les tensions. Et quand je retourne vers le thème de ce matin, qu'est-ce que c'est la littérature européenne, je pense que c'est toujours traverser les frontières. C'est ça notre richesse. Alors, c'était pas coïncidence. Mais ça m'a donné aussi une richesse parce que il y a dans le sport de l'escrime, il y a tant de choses que je pouvais accrocher la symbolique et des thèmes en dedans. Oui, il faut peut-être expliquer que le livre, donc dans le livre, il s'agit d'une jeune femme qui apprend l'escrime. En fait, c'est basé sur la vie d'une grande escrimeuse, on dit ça? Hélène Mayer, qui était escrimeuse allemande, qui a remporté à l'âge de 13 ans son premier championnat, n'est-ce pas? Et elle a été un tout petit peu le modèle de votre personnage principal. Le livre se passe donc en 1936, juste avant les Jeux olympiques à Berlin. Et cette année-là, cette jeune femme, Mayer, se trouve aux États-Unis. Elle est juive par son père, il me semble. Et elle s'est installée aux États-Unis pour étudier et justement pour s'échapper au nazisme. Mais Hitler la rappelle et elle se présente aux Jeux olympiques. C'est ça un peu l'histoire, hein? Pas de votre personnage principal, mais du modèle. Non, mais c'est très intéressant comme personnage parce que Hélène Mayer, elle a déjà perdu sa nationalité à cause des lois de Nuremberg. Alors, elle habitait dans les États-Unis, IOC, c'est aussi IOC en français, olympique. Alors, le comité, le CEO, a renforcé Hitler pour prendre aussi un athlète olympique juif. Mais elle semblait vraiment elle avait le type arien. Alors c'était plus facile pour lui de permettre de faire ça. Et c'était vraiment étrange parce qu'elle, comme juif, elle faisait aussi le Hitler. Elle faisait les jeunesses Hitler, elle a participé aux jeunesses hitlériennes. Parce qu'elle a obtenu la médaille de leur argent, là, la deuxième place. Mais pour mon personnage principal, c'était un bon véhicule, parce qu'elle a vu ce petit fille, Jana, la protagoniste de mon livre, a vu Hélène Mayer sur l'Olympiade à Amsterdam en 1918. Et bien sûr, quand on écrit sur une fille de 18 ans dans les années 30 européen, c'est assez difficile de faire un personnage, un caractère fort. Mais l'escrime m'a permis de faire ça. Elle a vu cette femme qui avait un aura presque comme une star de ciné, comme Marlène Dietrich, comme tu as dit. Et alors, elle voulait apprendre cet art d'escrime. Mais c'est un roman véritablement européen dans ce sens, parce que vous avez pris vraiment une période très difficile en Europe et vous avez pris en plus une femme pour la sortir de l'ombre d'une certaine manière, parce que la plupart de nous ne l'ont pas connue, l'ont oubliée, n'est-ce pas? Pourquoi vous avez choisi justement cette période-là? Parce que cette période-là a formé l'Europe telle qu'elle est maintenant, aujourd'hui, je pense. J'ai choisi cette période, et peut-être cette période à m'a choisi encore fois. Il y a beaucoup de coïncidences toujours dans mon travail parce que, bien sûr, la protagoniste, elle avait 18 ans quand elle a regardé le match. Et après, 8 ans plus tard, elle avait 11 ans et 8 ans plus tard, c'était en 36. Mais c'est une période très, très pleine de tensions en Europe. Et le sport était plein de tensions aussi là, mais pour moi, la vie quotidienne dans les années 30, c'était plus intéressant
que le grand titre dans les livres historiques ou le grand titre dans les journaux. Parce que souvent, quand on écrit un livre historique, il y a des risques que ça... Ben, c'est pas vraiment... Je crois pas vraiment dans un genre comme le livre historique. Je prends des problèmes d'actualité et je les mets dans un contexte historique. C'est différent. Mais alors, il y a toujours le danger que on met trop d'histoires, trop de grands titres dans un livre, parce que la vie quotidienne est très persistante, c'est très résistant, c'est très fort toujours. Alors, nous connaissons qu'est-ce qui se passe après, mais elles ne savent pas encore. Elles se trouvent dans ce petit endroit qui est isolé, assez isolé de Berlin, isolé dans le paysage, avec cet homme qui est rétrograde, qui se trouve encore dans la Première Guerre mondiale. Et elle est toute jeune encore, n'est-ce pas? Elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle n'a pas beaucoup vécu. Elle a été, par son père, elle a été bien protégée. Donc là, il l'envoie comme ça tout d'un coup dans le monde, dans le grand monde difficile et dangereux aussi. Oui, elle ne sait rien, mais elle veut savoir. Alors, c'est un protagoniste qui interfère, qui interfère, qui interagit. Oui, comme une intruse. Elle est une intruse. Elle sait qu'il y a un grand secret entre le père et entre son père et ce maître. Et feu, ça appartient appartenir, pardon, je me traduis. Oui, elle appartient à cet homme, en fait. Oui, mais aussi l'histoire qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas son histoire, mais elle veut le savoir. Elle veut se l'approprier. Voilà. Merci, Morent. On va revenir tout à l'heure sur votre parcours et parler un peu de la Russie aussi, où vous avez habité pendant des années. Mais là, j'aimerais parler un peu avec Roumena Buzarovska, si je prononce votre nom correctement, qui a donc publié ce très beau recueil de nouvelles « Mon cher mari ». Mon cher mari, où on rencontre plein de maris et aussi de femmes d'ailleurs. Il y a beaucoup de femmes et de maris qui s'affrontent d'une manière ou d'une autre. Les maris sont dans le titre. Il y a des maris infidèles, il y a des maris jaloux, il y a des maris qui détestent leur femme, il y a des maris qui sont adultères. En même temps, on rit beaucoup. C'est très, très, très humoristique, je trouve. On rit même si la situation des femmes et de ces mariages ne sont pas vraiment très drôles ou gays. Mais bon, vous avez le don de l'humour dans ce livre. Il s'agit surtout des relations où l'homme est quand même le plus important, des relations patriarcales, je dirais. Mais en même temps, les femmes sont libres parce qu'elles prennent un peu de distance, elles raillent, elles rient, elles font autre chose. Même si, par exemple, il y a une femme qui est peintre, qui dans l'histoire qui s'appelle « Un nid vide », où il y a une femme qui est peintre, mais qui se prend pour un grand peintre. Le reste du monde ne la considère pas comme ça. Comment avez-vous trouvé toutes ces femmes, Roumena? Thank you so much for inviting me and for being in this beautiful garden at 9:30 in the morning. I'm shocked that there's so many people. Merci beaucoup de m'avoir invité et vraiment je vous remercie aussi d'être ici. C'est un choc plaisant d'être ici avec autant de monde aussi tôt ce matin. Yes, thank you also for the very interesting question. Well, I like to observe and I think I mean, and this is why I like to write stories because they can incorporate a lot of voices in that. Merci aussi pour cette question parce que, en fait, moi, j'aime observer et de mes observations, c'est ce qui m'amène à incorporer beaucoup de choses dans ce que j'écris. A lot of people ask me, is this an autobiographical book? And it's a very gossipy question, I have to say. En fait, beaucoup de gens me demandent si c'est un livre autobiographique et croyez-moi, ben en fait, c'est une question qui m'amène à la question de ben c'est très très lié au commérage quoi comme question.
In general, I was just annoyed at how the situation functions everywhere in the world in terms of the relationships between men and women. Mais de façon générale, en fait, j'ai été vraiment très préoccupée, très embêtée par la manière dont les relations fonctionnent de façon générale dans le monde entre hommes et femmes. And I chose sort of an ironic title. The title actually is my husband. It's not my dear husband. En fait, j'ai choisi un titre ironique. Le titre, en fait, c'est mon mari, pas mon cher mari. But I think it was taken in France. So then the publishers, my editors, they found a very good solution. I think my dear husband is even like Mais more ironic. Ce titre, mon mari, était déjà pris en français. Et donc c'est là où mes éditeurs, la maison de publication a eu une très très belle idée de proposer mon cher mari. Et je pense que ce titre est plus puissant. But I wanted to show that, you know, when you identify a woman in society, you don't identify her by the profession, you identify her by whether she's married and whether she has kids. En fait, je voulais aussi montrer que dans la société, quand on identifie une femme, on ne l'identifie pas par rapport à ce qu'elle fait professionnellement, on l'identifie par rapport à... par rapport à la question de est-ce qu'elle est mariée, est-ce qu'elle a des enfants. And you can see that in political campaigns, because the first thing they say is she's, you know, like even I think Hillary Clinton on her Twitter, it says mother, wife, politician. Who cares? Et on voit beaucoup ça en politique. Et vous voyez dans les campagnes électorales, c'est le premier discriminant par rapport aux femmes. Et là, Hillary Clinton elle-même, par exemple, sur son identifiant Twitter, elle s'identifie comme mère, épouse, wife. Épouse. Yeah. So and then it's the opposite for men. So they're identified by the profession. And in my book, you can have, you know, you can, it's not just the adulterers. You can say my husband the director, my husband the painter, my husband the gynecologist. Et en fait, pour les hommes, c'est tout à fait le contraire. Ils s'identifient principalement et initialement par leur profession. Ils ne s'identifient pas par leur identité vient de ce qu'ils se présentent comme, par exemple, peintre, gynécologue, directeur. Yeah. C'est la position professionnelle qui les installe en premier lieu. Mais les femmes ne se révoltent pas dans votre livre. Yes, they don't, because I was trying to criticize the whole situation. I wasn't trying to present women as ideal. I was trying to present more of the situation that a lot of women are stuck in. Oui, parce qu'en fait, elles ne se révoltent pas, effectivement, parce que moi, ce n'est pas une critique. Je voulais présenter les femmes telles qu'elles sont et pas en tant que femmes qui se révoltent. I felt like if I was writing a story about women revolting, it would be like a make-believe, it would be a you go girl narrative, which I think it's more pamphlet rather than actually literature, which should express reality. Et en fait, j'avais l'impression que si je racontais les choses de la perspective d'une révolution ou une révolte des femmes, eh bien, ça serait un truc comme faire semblant, ou plutôt une posture, comme si c'était pas un roman, mais pas une nouvelle, mais un pamphlet pour dire « Go girl, allez, la révolution des femmes ». Also, I wanted to normalize terrible women who make mistakes. Et aussi, je voulais en fait normaliser des femmes terribles qui font des erreurs. Because that's what we are, and literature is full of terrible men making mistakes, and we like them. Et en fait, c'est ça que nous sommes. La littérature, elle est pleine d'hommes qui font des erreurs terribles. Mais nous aussi, les femmes, on a le droit d'être des personnes qui font des erreurs terribles. So I was trying to make I put the empathy on the side of the terrible women. I think that's what I was trying to do. Donc moi, j'essayais de positionner l'empathie du côté des femmes qui font des choses terribles. Mais dans ce cas, il y a toujours beaucoup, beaucoup de femmes en Europe qui font des choses terribles, si je vous le lis bien. Est-ce que vous pensez, parce que parlons un tout petit peu de la position de la femme en Europe, vous les ridiculisez un tout petit peu, mais est-ce toujours comme ça?
just women in Europe? Yeah. Juste les femmes en Europe? I'm not Asian or African, so I can't really ridicule that. Oui, moi je suis pas asiatique ni africaine, donc je peux pas vraiment ridiculiser. I write about what I know. So I it's not like, oh, I'm now going to ridicule European women. Je parle de ce que je sais, j'écris sur ce que je sais et je ne commence pas à me dire bon ben je vais ridiculiser les femmes européennes. But I have ridiculed Americans. Mais in my j'ai ridiculisé ou j'ai parlé de façon à montrer le ridicule de femmes américaines. Not femmes. Oh, actually, yes. You said American women? Americans. Well, actually, non, les Américains, pas les Américaines, mais les Américains. Because I sometimes, well, not in this book, but the next book that's coming out. Non, pas dans ce livre, mais dans le suivant qui va arriver. But I would criticize colonial, post-colonial behavior to Macedonians. Parce que, en fait, j'ai critiqué la posture post-coloniale, le comportement post-colonial towards Macedonians. Vis-à-vis des Macédoniens. Or Balkan people. Ou des Balkans. Oui, vous voulez échapper à ma question, je comprends bien. Mais je vais la reposer, je vais la rephraser alors dans ce cas-là. On a quand même en Europe ce mouvement de MeToo. Et c'est pas du tout ça dont vous parlez dans votre livre. C'est pas nécessaire non plus, mais il y a quand même la position des femmes qui a changé récemment, ces dernières années. Yes, so in my literature, I don't talk about that, but I am one of the people who started the MeToo movement in Macedonia. Dans mon livre, je n'en parle pas, mais il se trouve que je fais partie des quelques personnes qui ont commencé en Macédoine le mouvement MeToo. So, in that sense, literature for me is the criticism of reality. Et dans ce sens, pour moi, la littérature, c'est une critique de la société. And then activism is actually trying to change this kind of reality in a very specific manner. Et l'activisme, en fait, c'est essayer de changer cette réalité d'une façon très spécifique. And yes, things. I'm not sure if you know. Yes, things have changed for the better, but femicides. Oui, effectivement, les choses se sont améliorées, mais cependant, les féminicides. And economic inequality, abortion bans all throughout the world. L'inégalité économique, la taxe sur le droit à l'avortement dans le monde entier. Let's not ignore the situation. It's much better than it was. N'ignorons pas la situation. Les choses se sont vraiment améliorées, effectivement, mais... But there's still a lot to do. Mais on a encore beaucoup de pain sur la planche. Oui, bien sûr, mais c'est déjà un premier pas peut-être ces dernières années, non? Je voudrais aller un tout petit peu vers le thème de ce matin, parce que vous êtes venu pour ça aussi. Là, maintenant, on a une petite idée de nos écrivaines et de leurs livres. Alors, Eline, si je peux me permettre de vous poser la première question sur la littérature européenne. Est-ce que vous vous sentez vraiment une écrivaine européenne plus qu'autre chose? Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi pas? When I was writing my novel, I was really, I was deeply into a state of sort of motherhood, mothering small kids. So I was really, really in a narrow space, basically. So I felt very sort of crossing a lot of borders as I was writing, you know? Yeah. So maybe I was sort of set on the world, really. I really wanted to get out of that space, that narrow little space where people were crawling all over me, you know, and really wanting my attention all the time. Yeah. So I, through language, I sort of reached out, really. But yeah. Quand j'ai écrit, j'étais dans ce cadre de la maternité. Oh, pardon. Quand j'ai écrit, j'étais dans le cadre de la maternité, dans un monde un peu clos, un peu un vase clos, avec beaucoup de personnes qui couraient autour de moi, qui grimpaient sur moi, les enfants, quoi. Dans le monde de l'enfant, et en écrivant, j'essayais de sortir justement de cet espace, de ce vase clos, de m'évader,
et par le langage et par l'écrit. And maybe I was being a little naive, but I really, really had sort of what I was expecting was that this novel would for sure stay in Sweden, sort of. You know, me writing in the Swedish language and feeling very rooted sort of in the Swedish language, really. And I could not have imagined at all that this sort of breakthrough would happen with this kind of text, that because I was like, okay, this is going to stay in Sweden and merely sort of interest perhaps maximum 3,000 readers within Sweden who are specifically interested in Plath. Yeah. J'étais peut-être un tantinet naïve. Je m'attendais en écrivant en suédois que ce texte, ce livre allait rester en Suède. Et j'étais très proche, je suis très proche de mes racines suédoises. Et que ce livre allait au maximum intéresser, disons, 3000 personnes, 3000 lecteurs spécialement intéressés par la vie de Sylvia Plath. Et je ne m'imaginais aucunement que ça allait prendre, dépasser les frontières et être traduit dans toutes les langues. Si mes souvenirs sont bons, c'est 25 langues dans lesquelles ça a été traduit. Voilà. And it's kind of an irony of my life in a way, because, you know, I grew up with no travel. My friends, they traveled sometimes and they went to vacation in Europe or in Greece or Turkey or something. And we didn't do that. My family, we didn't have the opportunity to travel. So I was 18 years old. And this is also, of course, because of my mother having this upbringing. I mean, due to colonialism, really, she was sort of, her family was based in Maputo and Johannesburg and in Southern Africa, and they were in New York and in Portugal, so they were traveling a lot. And she wanted my upbringing to be so sort of safe, so safe. So I was in my safe space in Sweden all the time. And the irony now that I'm traveling so much with this book. C'est un peu l'ironie de ma vie sur les voyages, parce que tout le monde, lorsque j'étais enfant, tout le monde autour de moi voyageait énormément. Et moi, je restais sur place en Suède. Et c'est aussi un peu grâce ou à cause de ma mère qui était d'origine étrangère, qui avait voyagé énormément dans sa vie, à Johannesburg, enfin toutes les grandes villes sud-africaines et d'autres pays, et qui souhaitait que nous les enfants, que nous, moi-même, que nous restions dans un endroit sécure. Et dans cette dans un cadre sécur, et la Suède, et c'est pour ça que nous sommes restés un peu là. Donc cette ironie est en fin de compte due un peu à ma mère et cette protection maternelle de ma mère. D'autre part, puisque votre livre est sur Sylvia Plath, qui est quand même américaine, vous auriez pu vous attendre à beaucoup d'attention un peu partout, parce que c'est une figure incroyablement connue. Yes, but I didn't have that thought. That thought never occurred to me, really. Because then again, I really felt this kind of strong... Du säger det på engelsk? Ja? Du pratar svensk, va? Nej, jag har ju pratat engelska helt. Sorry. Non, mais no, you're mixing it up. La tour de Babel continue ici, oui. No, I've been speaking English all the time. Yeah, sorry. I was thinking in Swedish. Too many languages Too now. Too many languages. Sorry. So what I was saying, the question again. No, I. No, Sylvia Plath, being a foreigner, being American, you could have expected that you had such an aura. Yeah.
No, I could not dream of that sort of this thing happening, that I was having readers throughout so many countries. Et dans quelle mesure vous vous sentez européenne, vous? C'était ça en fait la question. Hvordan føler du dig, i hvilken grad føler du dig europæisk? Det var det der frågan, den første frågan. I think I feel European. Yeah, of course. Why? Because I was basically I was born in Europe. yeah. À la base, je me sens anglaise parce qu'à la base, je me sens anglaise parce qu'à la base, je suis né en Europe, quoi. Oui, est-ce que, je vais continuer quand même parce que ça ne me satisfait pas complètement. Est-ce que, d'après vous, vous appartenez à une littérature européenne? Et si oui, qu'est-ce qui caractérise cette littérature pour vous? On va caractériser l'européenne littérature pour une site. I think that you were onto something when you talked about, if I picked that up right, with the European sort of crossing of borders, you know, that is part of being European. But it's too big a question, really. Yeah. Mais dans ce cas-là, je vais continuer avec Marent parce qu'elle avait déjà. Pardon. Je pense que c'est une question un peu trop grande parce que bon, je pense que c'était un peu ce que vous aviez dit tout à l'heure, c'était le fait d'être européen, c'est de traverser des frontières. Mais j'extrapole peut-être dans le cadre européen. Voilà. Marent, vous avez habité aux Pays-Bas, mais vous avez aussi habité pendant 10 ans, même plus peut-être, en Russie. Évidemment, c'est un élément important dans la situation d'aujourd'hui. Vous venez d'expliquer que vous avez écrit La Vierge néerlandaise dans un lieu proche de frontières, dans un paysage avec une certaine ouverture allemande, néerlandaise et d'autres, hein, le Drielandenpunkt, le point des trois pays qui était proche de vous. Quelle serait votre opinion sur la littérature européenne? Comment est-ce qu'elle se caractérise, d'après vous? C'est intéressant, d'abord, pour continuer sur la Russie. Quand j'ai habité à la Russie, en Russie, c'était un pays encore assez ouvert pour les autres influences. Et pas seulement les autres influences, mais aussi les racontes différentes. On est ouvert maintenant, il y a 22 ans plus tard, il y a un seul raconte en Russie. Je deviens un peu émotionnelle de ça parce que j'avais 18 ans quand je suis partie pour la Russie parce que c'était le chaos. Mais le chaos, ça donne aussi beaucoup de liberté. Et après, quand Poutine est venu dans le pouvoir, on a formé ce chaos qui était aussi beau par la diversité et parce qu'il y avait une grande ouverture d'esprit aussi. Il y a une ouverture d'esprit pour passer des histoires. Après, on a choisi une seule raconte, une seule version. Et je... Une histoire, oui. Alors, moi, je pense qu'en Europe, c'est tellement important que nous avons beaucoup de versions et traversant chaque frontière, qu'il y a peut-être quelque chose se casse, peut-être il y a un malentendu, mais de malentendu, ça donne d'esprit de raconter des histoires différentes. Et maintenant, en Europe, nous nous trouvons enfermés entre l'Est, où il y a une seule histoire nationaliste et xénophobe, le Sud, où il y a une seule histoire de religieuse extrémiste, qui est aussi une histoire fermée, et l'Occident aussi, l'Amérique, où on coupe maintenant
l'histoire dans des petites parties qui semblent fermées. Alors, moi, j'aime bien comparaître la littérature avec la hospitalité. Hospitalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on écrit une histoire ou quand on raconte une histoire? On peut voir la littérature comme une chambre. Et la porte est ouverte. On se dit, asseyez-vous, je vous raconte une histoire. Et vous pouvez partager dans cette histoire. Et partager une histoire que je vous raconte, c'est la hospitalité d'une histoire. Ou peut-être, on fait comme maintenant en Amérique, oui, je ouvre la porte un petit peu, vous pouvez entrer, mais il faut rester debout dans le coin parce que vous êtes coupable. Ou peut-être on ne ferme pas la porte et on pas donne l'entrée. Vous comprenez mon métaphore un peu? Et c'est émotionnel pour moi parce que j'ai vu en Russie comme ça changer. La porte est ouverte et qu'est-ce qui peut se passer après? Alors c'est très important pour moi qu'on chérit ce que nous avons. On n'a pas besoin d'une sauce européenne pour unifier tout. Il faut chérir qu'il y a des différences et pour un échange et pour une hospitalité de raconte, pour une hospitalité. Il ne faut pas couper le lien d'être coupable ou de dire « vous ne comprenez pas mon histoire parce que vous n'avez pas le sexe juste ou vous n'avez pas la couleur de peau juste ». Pour moi, comme écrivain, c'est la mort. J'espère que c'était... Merci, c'est très beau. C'est une très belle métaphore pour la littérature et pour... C'est un hommage à la littérature aussi, n'est-ce pas? C'est vraiment... C'est pour ça qu'on lit, pour écouter, pour entendre, pour suivre, pour participer dans les histoires des autres. C'est ça, finalement, le but de la littérature. Oui, c'est l'imagination aussi. C'est tellement difficile à prononcer. L'imagination et je pense aussi l'imaginaire. Oui, l'imaginaire, parce que ça, c'est le fond et le moteur de l'empathie, quoi. Et Roumena, qu'est-ce que vous en pensez si vous avez entendu Marent parler et Lynn, vous avez une idée de ce que... Faites-vous partie de la littérature européenne d'une certaine manière, ou plutôt d'une littérature des Balkans? Comment est-ce que vous voyez les choses? How do you position yourself? Well, I would like to maybe have the audience consider, do you think I am European literature? J'aimerais reposer la question à l'auditoire. Est-ce que vous pensez que je fais partie de la littérature européenne? I come from North Macedonia. It's a country of 1.8 million people. Je viens de la Macédoine du Nord et nous sommes 1,8 million. And the European Union will not let us in. Et l'Union européenne ne nous laisse pas rentrer. It's one city. That's how big Macedonia is. En fait, la Macédoine, c'est aussi grand qu'une ville. C'est une ville. So, why, you know, and actually France helped block us last time. Et en fait, la dernière fois, je dois dire que la France a aidé à nous bloquer. So, I don't know. I really don't feel that I'm part of European literature because I don't think Europeans feel that I'm part of it. It's mutual. Je ne sais pas parce qu'en fait, je ne me sens pas faisant partie de la littérature européenne parce que l'Europe ne me considère pas comme faisant partie de la littérature européenne et c'est un sentiment mutuel en fait. I think Europe has an orientalist way of looking at the Balkans. Je pense que l'Europe a un paradigme oriental des Balkans. And I think it associates it to backwardness and to wars and to aggression. Et je pense que on nous associe à de la ce qui est attardé en avant, reste en arrière-plan et puis de la violence et la guerre. Merci. And I have very frequently been put in that box everywhere I go. It's like, oh, you are an exotic woman coming from a war-ridden region. Et souvent, j'ai été mise dans cette boîte et on me considère comme une femme exotique qui vient d'un pays écrasé, submergé par les guerres. And that is if the audience likes me. If they don't... Et ça, c'est quand l'auditoire m'aime bien. Parce que quand ils m'aiment pas... If they don't, I'm like, someone from
some kind of, you know, it's like they think of like some kind of Turkmenistan, Uzbekistan, you know, it's like some kind of an unimportant country. That's what they think. Mais quand ils m'aiment pas, et ben en fait, je suis considérée comme un petit truc qui vient de quelque part là-bas, un truc instant, le Turkménistan, un truc instant. Mais Roumena, vous avez quand même réussi à vous échapper, n'est-ce pas? Vous avez été traduit en français, vous êtes ici. Et en plus, ce n'était pas une question politique d'abord que je vous ai posée. Vous êtes écrivaine aussi. Parlez-moi un tout petit peu de votre écriture et de votre position en tant qu'écrivain. Je comprends que c'est lié à la position politique, mais peut-être pas en premier lieu. It's very political. It's very c'est political. Très politique. You can never, separate the literary from the political. It's no way. Pas possible. On ne peut pas séparer cette question-là de la littérature et de la politique. I managed this because I worked. I hope because my book is good. J'y suis parvenue parce que j'espère que mon livre est bon. But also because I worked really hard on going to places and talking about my book. Et aussi parce que j'ai vraiment travaillé dur à aller là où il faut aller et puis travailler à promouvoir mon livre. And the reason I could do that also is because I don't have kids. Et la raison pour laquelle je peux faire ça aussi, c'est que j'ai pas d'enfants. So all of it is very political. Tout ça, c'est très politique. And I would like to say that there are pockets in Europe in terms of literatures. Et je voudrais dire que en fait, il y a des poches en Europe en termes de littérature. So first, I think there are strong national markets in the big European countries. Donc d'abord, je voudrais dire qu'il y a des très forts marchés nationaux dans les pays. So France is one example where la France en est un exemple. You know, you have a very vibrant local scene. It's big. On sait que on a une scène locale très très active, très forte. It's the same with the Germans, the same with the English. Même chose avec l'Allemagne, même chose avec les Anglais. I now got translated into Spanish, so soon I will learn about Spain too. Et je viens d'être traduite en espagnol, ce qui va m'amener bientôt à savoir des choses aussi sur l'Espagne. And then there is the Yugoslav, ex-Yugoslav Balkan market, which is like one big thing. Et puis il y a le marché yougoslave, les ex-Balkans, qui est aussi un espèce gros morceau. So for me, I managed to break into that market, which was kind of like half home. Pour that moi, is my Europe, you know? Pour moi, j'ai réussi à rentrer dans ce marché-là, ce qui est une espèce de une semi-maison, parce que c'est là où je suis. And then slowly I started getting recognized by other European countries, and it's I really say slowly because I wrote my husband 10 years ago. Et petit à petit tout doucement, lentement, j'ai acquis cette reconnaissance par les autres pays. Et quand je dis petit à petit, c'est effectivement un processus très lent parce que j'ai écrit mon cher mari il y a 10 ans. And one more thing, I forgot actually. Oh, encore un truc, puis je l'ai oublié en fait. Yes, À cause de l'interprétation, en fait, ça coupe le fil de mon idée. Yeah. J'ai pensé à un truc et puis ça m'a échappé. Mais ça revient. I remembered. It's about how, even though it's, you know, European, the whole context, you cannot get published by publishing houses if your book is not translated into English. Et en fait, c'est pour dire que même si on est publié sur le contexte européen, vous n'êtes pas reconnu si votre texte n'a pas été en anglais encore. Because then the publishers and the editors, they really need to read it in order to accept it. And English is the language that we all use. So. Et parce que les maisons d'édition, les éditeurs, ont besoin de lire le texte d'abord et ils le lisent en anglais pour pouvoir ensuite en décider. J'étais frappée par le fait qu'effectivement, vous étiez la seule personne à dire que l'écriture est politique. C'est quelque chose qui m'a frappée plus souvent. Si je parle avec un écrivain du Cambodge ou d'autres pays de l'Asie ou bien de l'Afrique, ils me parlent tous du fait que la littérature est toujours politique. Je me demande, est-ce que pour l'Europe un peu plus...
je sais pas, de luxe et de confort. Est-ce que c'est moins important? Est-ce qu'on a plus cette motivation d'être politique dans la littérature? Marent, vous avez une opinion là-dessus? Vous pensez, parce que vous avez vu les deux côtés, hein, vous avez vu la Russie et l'Europe. Pour 17 ans, j'ai été journaliste d'abord et j'ai écrit beaucoup des essais avec des opinions politiques. Et il y avait un couple que ça m'a ennuyé parce que souvent une opinion, c'est une pointe et c'est la fin. Et c'est une ligne, il n'y a rien en dessous. Pourtant que l'imagination, ça coule, c'est fluide. Ça peut être aussi politiquement, on peut l'interpréter comme politique. Mais une opinion, c'est souvent le fin, c'est hermétique, c'est fermé. Par contre, la littérature, ça donne encore la chance qu'après qu'on a fini un livre ou une histoire, qu'on peut se mâcher sur cette histoire, on peut encore se balader et penser encore ensuite et ensuite encore. Alors pour moi, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique dans mes livres. La Vierge, c'est mon deuxième roman. J'ai écrit 5 romans et 7 livres. J'ai écrit aussi un livre sur la Russie et le grand bruit. Mais pour moi, c'est toujours le plan arrière, qu'on connaît ce plan arrière. Mais il y a des autres choses qui se passent et qui se coulent. Et aussi encore, je me trouvais pour au moins 10 ans dans une autre langue. Je rêvais, je me fâchais en russe. Et ça m'a changé la façon que je réfléchis, que je pense très fortement. Parce qu'une langue, ce n'est pas seulement un grand vocabulaire ou quelque chose. C'est une façon de penser et réfléchir. Et ça a altéré la façon comme j'écris en hollandais. Alors ça m'a permis de penser et écrire différemment. Oui, j'écris en hollandais. C'est pas un pays très grand non plus, 18 millions de personnes, je pense. Mais en tout cas, c'est petit. Mais penser, réfléchir, rêver en russe, ça m'a permis de changer la façon comme je regarde les choses. Mais la politique, c'est arrière-plan. Parce qu'il y a le danger, il y a le risque pour la littérature quand il y a beaucoup d'opinions que c'est un point et c'est un fin. Et c'est souvent pas un dialogue avec les lecteurs. Et Eline, comment est-ce pour vous? Est-ce que la notion de politique, on peut le comparer, on peut l'intégrer, il y a une relation avec la littérature pour vous? Et puis après, ce sera à vous, hein, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Hein. On est là pour ça, n'est-ce pas? Well, I am writing about this American poet Sylvia Plath, who sort of have this. She has this crack in her, you know. She has a European origin. Her father is from Germany, and her mother was born in America, but she's from an Austrian. She has an Austrian parents. And j'ai écrit car elle était d'origine. Pardon. J'ai écrit parce qu'elle est sur Sylvia Plath parce qu'elle était elle-même, elle avait ce schisme. Et elle était de mère autrichienne, de père allemand, donc elle avait ce schisme de vie, même étant américaine. And she feels she sort of looks to Europe all the time. So she wants to get back to sort of get to know herself, really. And the irony is that she sort of, yeah, she gives up her life in Europe. She moves to England and she commits suicide. And
I'm also writing about this person sort of being really standing, on the brink of the new time in the Western world. She's sort of dying before, she sort of exits before things were going to be sort of better for her, you know? And that is why it's so crashing, you know, that to know this, that she's sort of, she's struggling all the time to have someone to take care of her babies and to be divorced from Ted Hughes, her husband, is such a stigma, you know? And she couldn't have an abortion yet if she would want to. And it's just, you know, the time before the pill and before things were really going to change, you know, for a woman. Yeah. Thank you for giving me a break. Sylvia Pratt, elle regarde vers l'Europe. Elle veut revenir vers cette liberté européenne. Elle met de côté sa vie et même elle revient en Europe où elle met aussi fin à sa vie. Et c'est ça qui est... elle meurt justement avant que la liberté survienne. Tout change, mais alors dans sa vie, il y a cette bataille continue entre le fait d'écrire et de devoir garder les enfants, être mère de deux enfants. Elle est enceinte, elle divorce. C'est ce stigma qu'il y a justement entre cette vie et ce dilemme, ce dualisme dilemme entre le fait d'écrire et autre, et qu'on a à ce moment-là, c'est l'avortement n'est pas encore autorisé, et c'est juste avant que tout se libère, et justement qu'elle met fin à ses jours. And to sort of engage in all these questions, of course it's political, you know. And what struck me was that writing about her now in these times was that we sort of stand in a new sort of era of time where we are on the brink, you know, of a new time where things actually is getting worse for women. So it was a kind of an irony, sort of, really, to look at her from our perspective in our time, yeah. C'est une sorte d'ironie de justement de voir cette période par rapport à la période où nous vivons aujourd'hui. L'engagement, c'est vrai. Bon, c'est une vision sur un engagement. C'est un engagement politique par rapport justement à cette période qui était à la limite justement de ce qu'on faisait et de ce qu'on allait pouvoir faire. Donc oui, il y a, mais c'est sous-jacent. Oui, donc finalement, vous êtes toutes d'accord. C'est la littérature est toujours politique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des remarques? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Non? Oui, monsieur. Oui, j'ai une question pour Marinthe. Donc, vous avez déjà mentionné votre livre qui a lieu en Russie. Je pense que vous êtes inspiré aussi pendant la période que vous avez vécu en Russie. Et pour ce livre, vous avez gagné le prix Jan Wolkers. Donc, c'est un prix pour un prix naturaliste ou un prix pour un écrivain. On est dans une écrin de verdure aussi, donc ça peut nous inspirer peut-être. Mais j'aimerais bien que vous expliquiez un peu comment la nature vous a inspiré et peut-être aussi l'aspect politique, parce qu'on est devant une grande crise de biodiversité. Et donc, c'est aussi un engagement pour lutter pour la conservation de la biodiversité. Donc, j'aimerais connaître un peu votre opinion sur ces sujets. Okay. Just cut off your phone, eh? Cut off my roman phone. Yeah. Yeah. Okay. Oui, ça c'est concernant ce roman qui va être, c'est en train d'être traduit. C'est mon quatrième roman, pas mon dernier, mais quatrième roman que ce monsieur le connaît. Je ne sais pas s'il a lu en hollandais ou en allemand. Non, j'ai pas pu
English or German? No, I haven't done. Ah oui, voilà, voilà. Ouais. Alors, ce livre, oui, ça se trouve encore une fois. La politique est en arrière-plan, comme dans la Vierge néerlandaise, mais aussi en fond. Et ça s'agit d'un couple zoologue qui se trouve dans une forêt russe. Et dans le ciel, il y a des bruits très forts qui sont inexplicables. Et la femme, la protagoniste, elle est toute seule parce que son homme, il a perdu sa tête. Et elle se trouve confortable avec ce bruit qu'elle ne peut pas expliquer, avec la nature qui est encore très pleine de pouvoir. Alors, ce n'est pas une nature faible ou une planète faible, comme on aime maintenant, bien sûr, le dire. Non, il y a une grande forteresse. Et elle se sent confortable qu'il y a encore des choses à définir. J'espère que je n'ai pas encore beaucoup parlé en français de ce livre, alors ça, c'est un peu difficile. Mais alors, c'est aussi, il y a des mouvements politiques, bien sûr, russes. Il y a toujours de la politique en Russie, mais c'est en bas plan. En arrière-plan, et elle se trouve sous ce ciel, dans cette nature, dans un village qui n'existe plus, et même elle n'existe plus en ce qui concerne l'enregistrement enregistrement d'identité. Oui, elle n'existe pas, et elle est presque une esclave de cette nature qui est tellement forte. Et l'imagination est très forte dans ce livre. Et pour elle, ça sauve parce qu'elle avait un trauma dans sa vie. Elle a perdu un enfant. Et elle se soulage avec le mystère qu'il y a encore des choses qu'on ne peut pas expliquer et qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Parce que si elle explique tout, c'est la fin pour elle. C'est un fait qui est sec et elle ne veut pas l'avoir. Alors ça, c'est en ce qui concerne ce roman. Ouais. J'espère que c'est un peu un repos. D'autres questions ou des remarques? Ici? Oui, monsieur, j'arrive. Par rapport à ce que j'ai entendu, je dirais que c'est une richesse qui est de langue européenne. Mais j'ai appris en même temps qu'il fallait passer par l'anglais pour peut-être, surtout quand on venait d'un petit pays, par exemple l'ex-Yougoslave, etc., encore plus, pour être traduit. Ouais, mais c'est quand même une richesse. Alors, il y a une espèce de contradiction là, entre la diversité européenne, et je comprends bien que voilà, c'est encore plus fort pour la poésie, parce qu'on n'a jamais des choses tellement exactes. Si vous voulez, c'est plus facile quand on est essayiste ou romancier. Je ne me souviens plus exactement la question, ça reviendra peut-être, que je voulais poser sur le... En fait, c'est déjà une découverte de savoir qu'il faut passer par l'anglais pour être traduit. Est-ce qu'il faut passer par l'anglais pour être traduit? Je pense qu'on peut avoir différentes réponses là-dessus. Il y a aussi le français, il y a l'allemand. Est-ce qu'il faut passer par l'anglais, Eline? Well, I think actually my novel was sort of sold to some countries before it was really actually out in Sweden. So there was no English translation, no, but there was a sample translation for like 100 pages. So I think a lot of countries bought it, due to the sample translation. And then it was translated into English, yeah. Mon livre au départ a été vendu, mais sans avoir été traduit intégralement en anglais. Il y avait quand même une centaine de pages qui avaient été traduites en anglais pour qu'ils aient un synopsis ou une vision du livre. Et ce n'est que par la suite que mon livre a été, que ma nouvelle a été traduite en anglais. Romena, oui. Yeah, I think it's
a question. I think it's a question of where this is happening. En fait, je pense que c'est une question qui a trait à où cela se passe. Or it might be a question. Ou ça pourrait être une question en tout cas. And it could be also a genre issue. Et peut-être que c'est aussi une question de genre. Because littéraire. No one would take on anything I had if it wasn't fully translated, and they knew that they would be sure that it would not be that it would be successful. Parce que personne n'était prêt à prendre ce que j'avais écrit, sauf si ça avait déjà été traduit, ou en tout cas s'il savait que c'était traduit et que ben il y aurait peut-être du succès à la clé. So from my position, I think that we are not interesting to the European public. Et de mon point de vue, je pense que nous ne sommes pas intéressants pour le public européen. Just like I don't know to the Macedonian or the American, it's the same. Ni pour les Américains, même chose. There would have to be something to make you interesting so that they would like to publish you. Il faudrait que quelque chose soit intéressant pour leur donner envie de vous publier. Like a war. Comme une guerre, par exemple. Or they really have to trust the book, and in order to trust the book, they have to read the whole thing. Et ou alors il faut qu'ils aient vraiment vraiment confiance au livre, et pour faire confiance au livre, et ben il faut qu'ils l'aient lu, traduit. In Yugoslavia, in ex-Yugoslav countries, they will take a sample. Et en Yougoslavie, dans les ex-pays yougoslaves, ils prendront un échantillon. So they'll read one or two stories, and they'll be like, okay, bon. I'll trust that this book is good, and I'll publish it. Alors, sur la base de la lecture de une ou deux histoires, ils vont pouvoir se dire « Ok, c'est bon, j'ai lu, je fais confiance à ce livre et je vais le prendre. » But I don't think it's the same with European countries. Mais je pense que c'est différent pour les pays européens. For me, it's different now because I've been translated in like 15 languages. Oui. And so now, people really trust it. I don't need the English translation anymore. Mais pour moi, maintenant, c'est différent parce que j'ai déjà été traduit donc, dans une quinzaine de langues. Donc maintenant, bah, le contrat de confiance, il s'établit et on peut me prendre. And frankly, if you get translated by a great publishing house like Zuckamp in Germany or Gallimard here... Et franchement, si on a la chance d'être traduit par une grande maison d'édition comme Zuckamp en Allemagne ou Gallimard ici en France... Then people think, okay... I can take the risk. Yeah. Ben, à partir de là, les gens se disent, OK, c'est bon, je peux prendre le risque. Merci beaucoup. J'ai une toute dernière question pour vous trois. L'importance des traducteurs, qu'on ne peut pas sous-estimer, évidemment, c'est extrêmement important. Les traducteurs et traductrices, en tant que passeurs entre les pays... c'est vraiment les gens qui ouvrent les portes dont vous parlez, Marent. C'est vraiment ceux et celles qui travaillent toutes seules, qui connaissent souvent mieux l'œuvre de l'écrivain ou de l'écrivaine, elle ou lui-même. Pourriez-vous nous dire comment vous percevez le rôle des traducteurs et des interprètes aussi, d'ailleurs, sans elle, sans lui, on ne pourrait pas le comprendre. Ça, c'est la preuve de l'importance des interprètes. Mais ma question porte plus particulièrement sur les traducteurs et les traductrices. Et ce sera ma dernière question. D'une traductrice parce qu'elle parle très très bien français. Donc. Non, mais les traducteurs de son œuvre, quand même. Oui, ça dépend de traduction. Pour la littérature néerlandaise, le premier pays dont on est traduit, c'est toujours allemand. Alors, c'est pas l'Angleterre, c'est un peu une forteresse, et les États-Unis aussi. Alors moi, je pouvais examiner la traduction allemand, français et anglais. Mais par exemple, le macédonien, je suis traduit en macédonien, j'ai entendu de traductrices de Bulgarie que ce n'était pas une bonne traduction. Peut-être ça, c'est très politique. Je ne peux rien dire à propos de traduction turque ou grecque. Alors, il faut avoir de la confiance. Il faut avoir de la confiance. Qu'est-ce que ça vient? Pour moi, aussi 16 langues et les États-Unis aussi. J'ai voyagé beaucoup avec mes livres que je n'ai pas entendus avant. Mais j'ai essayé de parler des autres langues. Mais par exemple, par rapport au russe, j'ai encore lu de mon livre Faune que vous avez parlé en Odessa il y a 3 ans.
Et ça, c'était dramatique parce que maintenant, il est dramatique d'y penser parce que la public était assez fâchée parce qu'on a dit, voilà, il y a un écrivain qui est russe, qui parle d'un russe, un livre russe. On n'a pas compris que moi, je suis néerlandaise parce que je parle couramment la russe. Mais un traductrice, oui, c'est un traducteur, ça, c'est très important, mais on ne peut pas contrôler. Et comme écrivain, on essaye de contrôler tout. On essaye de contrôler chaque mot, et alors c'est un peu de laisser faire, alors. Hélène. Okay, so my novel was in one way sort of written in translation, you know, because I was reading Sylvia Plath and her poetry and her letters and her journals and everything in English, you know, in her language. And then I sort of just took it all in, and out came this text, you know, in Swedish, you know. So it was a process of sort of taking, styling the language through another language. So. Bon, au départ, de toute façon, toute la littérature que j'ai lue sur Sylvia Plath, c'était en anglais. Donc, et c'est moi-même, c'était intérieurement que j'ai retranscrit tout vers le suédois. Et ça, c'est un travail, une dualité, un travail intérieur. C'est-à-dire, j'ai transcrit ce qu'elle avait écrit en anglais dans ma langue, qui est donc le suédois. So I do think that the English is somehow present in the Swedish, you know, text, you know. And then I've had just experienced the privilege, I mean, the great privilege of being translated, really. So and that's what you really fall in love with, you know, because business is one thing, and you know the politics of it is one thing, but you know the translators, you know, they're sitting there with your text and they're making something very, very beautiful of it, you know, and transforming it into a new cultural sort of context and a new language. So it's been amazing, really, and I am so grateful. Le présent, l'anglais était présent, tout, mais ce qui est un travail intéressant, c'est justement c'était avoir cette chance d'avoir été traduit et de travailler donc avec les traducteurs qui, eux, arrivent à retranscrire l'écrit dans une langue et dans une nouvelle culture, avec la connaissance de la culture, leur transmettre. Et je trouve que c'est ça, c'est très intéressant, c'est très enrichissant, justement, de pouvoir travailler avec des traducteurs. And you're also working with the translators sometimes. I mean, in the English version, I've really been working very closely with my English translator, and she's also a poet. And also with my German translator, so many questions. She was being very meticulous. So yeah, you come to sort of get to know your text. Once again, through the translation, it's beautiful, really. Elle a dit justement, on a travaillé très étroit avec mon traducteur, la traductrice qui a traduit en anglais et en allemand. J'ai eu des liens très étroits et beaucoup de questions me sont tombées dessus. Mais j'apprends à rentrer, reconnaître et re-entrer dans le livre. Et c'est vrai que les traducteurs ont une connaissance aussi de la littérature et du livre très profonde. Et c'est ce lien étroit qui est très enrichissant. Merci beaucoup, Rumena. Yeah. Thank you. So it's I come from a small language. I don't say it in a negative way. It's just that it's not spoken by many, many people. It's smaller in size. Je viens d'une langue qui est petite. Je ne dis pas ça de façon péjorative. C'est une petite langue simplement parce qu'elle est parlée par peu de gens. So it's very big of a challenge to find translators. Donc c'est un défi très très important que de trouver des traducteurs ou traductrices. And very frequently there's bridge translations. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est que c'est une traduction qui se fait par passage de relais d'une langue vers
la langue définitive de traduction. So that's why you need to make sure that your English or your Serbian translation is very good, because someone's going to translate from it, you know? C'est pour ça qu'il faut s'assurer que votre traduction en serbe ou en anglais est vraiment parfaite, excellente, parce que c'est à partir de là que quelqu'un d'autre va travailler le texte. I'm a literary translator myself. I translate from English into Macedonian, and I translated myself into English, actually. Je suis une, moi-même traductrice, je travaille en anglais et macédonien, et il se trouve que c'est moi qui ai traduit mon propre texte. So I'm very aware of how difficult and underpaid the whole process is. Et j'ai tout à fait conscience de à quel point ce travail est vraiment très difficile et très sous-payé. And I understand how translators can be their writers in their own sense. Et je comprends à quel point en fait les traducteurs peuvent être eux-mêmes leurs propres auteurs. And I have enormous respect for translators, because of this, there is no way we would never be able to understand each other. Plus, they are actually writing literature when they're translating. Et j'ai énormément de respect pour les traducteurs, les interprètes, parce que tout ce qui est en train de se passer maintenant ne serait pas possible s'il n'y avait pas l'apport des interprètes et des traducteurs. Et dans un sens, les traducteurs, traductrices, lorsqu'ils travaillent un texte, sont en train de créer leur propre littérature à partir de ce matériau. And one more thing, it's so also in terms of practical things, it's very important also what kind of stance your editor has towards your translation. Et une autre chose aussi qui est vraiment très pratico-pratique, il est important de savoir quel est le point de vue, en fait la posture de votre maison d'édition par rapport à la question de la traduction. So probably you had a very shitty editor in Macedonia who did not care about the translation. Sans doute que en Macédoine vous aviez une maison d'édition mais vraiment merdique qui n'en avait rien à cirer. Unless the Bulgarian is lying. Sauf si le Bulgare mentait. Donc entre le Bulgare et le Macédonien. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette rencontre de Tour Babel. Merci d'avoir participé. D'abord, un grand merci à nos interprètes quand même. C'est formidable. Merci. Merci à nos auteurs aussi. Merci Eileen, Marent, Rumena. Et merci à vous d'avoir été fidèles jusqu'au bout avec nous et lisez beaucoup de littérature européenne, je dirais.